Star Academy, les touchantes confidences de Yanni Marshall sur enfance et sa mère qui s'est saignée pour lui. À la Star Academy, il n'y a pas que les élèves. Les professeurs font aussi le show chaque jour au château de Damary-les-Lys. Et il y en a un qui a réussi à se démarquer des autres, il s'agit de Yanni Marshall. Le successeur de Kamel Ouali est devenu tout aussi populaire que les nouveaux candidats de l'émission de TF1. Avec un style bien à lui, ses cuissardes à talons, ses attitudes de diva et ses réactions cash. Le chorégraphe et danseur est très vite devenu le chouchou des participants et des téléspectateurs. Au fil des quotidiennes et des primes, l'artiste est même devenu un vrai repère pour les jeunes chanteurs qui rassurent à sa façon en leur concoctant des tableaux dignes de stars internationales. C'est le cas notamment de Léa qui a dû oublier ses complexes pour interpréter au Stuve de Donna Summé en se prenant pour Beyoncé. Un défi qu'elle a relevé haut la main grâce à la confiance que lui a accordé Yanni Marshall dont le parcours a de quoi rendre envieux ses confrères. Après avoir été révélé en 2014 dans Britain's Got Talent en dansant avec ses talons, Yanni Marshall est devenu le chorégraphe et coach de la version britannique de Danse avec les Stars. Il a aussi travaillé avec le Cirque du Soleil et a collaboré avec Céline Dion pour le clip du titre H. La bande originale de Deadpool 2. Un très beau parcours qu'il doit à son talent mais aussi à sa mère. Nadia. Dans les colonnes de Téléstar, le danseur de 33 ans a rendu un bel hommage à celle qui a tout fait pour réaliser son rêve malgré une situation financière pas facile. « Ma maman algérienne m'a élevée seule dans une HLM. Avec ma mère, on a le même franc-parler. Elle s'est saignée pour que je sois inscrite dans la meilleure école de danse, l'école Rosella Hectorway à Cannes. » A-t-il révélé. Impossible donc pour Yanni Marshall de décevoir sa chère maman et de ne pas honorer ses sacrifices. Cette dernière doit donc être fière du chemin parcouru par son fiston et de le voir tous les soirs à la télé. Elle est d'ailleurs très impliquée comme il l'a révélé. Elle regarde la star à qui me donne son avis. Un peu trop même, rire, a-t-il confié. Une belle complicité. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Omer Vacances ou un coffret jeu disco party avec Hugo Images.